Si vous allez de Londres à Paris par le train, vous arrivez à la gare du Nord. Ce groupe d'élèves et leurs professeurs viennent de Londres. Ils vont passer une semaine à Paris. Leur hôtel est dans les faubourgs. Ils prennent donc un autocar et dans une demi-heure, ils arriveront à l'hôtel. Vous êtes à Paris et vous cherchez une chambre d'hôtel. Il y a toutes sortes d'hôtels à Paris. La plupart ont des étoiles. Un hôtel 4 étoiles est luxueux et cher. Un hôtel 2 étoiles est moins luxueux et moins cher. Mais il y a aussi des hôtels pas chers qui n'ont pas d'étoiles du tout. Mais ils sont propres et confortable. Étoile ou pas étoile, vous êtes obligé de réserver une chambre, de commander votre petit déjeuner et de demander des renseignements de toutes sortes. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur. Nous avons réservé une chambre. À quel nom ? Laurent. Pour deux personnes ? Oui, pour deux personnes. Un instant, s'il vous plaît. Ah oui, c'est pour trois nuits, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Vous venez en vacances ? Oui, on vient visiter Paris. J'espère qu'il va faire beau. Ah oui, la météo est bonne. Chambre 302. C'est à quel étage ? Au troisième. L'ascenseur est en face. Merci. La chambre est bien avec salle de bain ? Ah oui, bien sûr, monsieur. Et elle est calme, j'espère ? Ah oui, elle est sur cours. Très tranquille. Parfait. À quelle heure est-ce qu'on prend le petit déjeuner ? Entre 8 et 10. Vous prendrez du thé ou du café ? Un café crème. Et un thé au lait. On peut le prendre dans la chambre ? Bien entendu. Vous appelez le standard, vous faites le numéro 1. Ah, il y a le téléphone dans la chambre. Parfait. On peut appeler l'Angleterre, alors. Oui, c'est automatique. Est-ce qu'il y a la télévision dans la chambre ? Ah non, je regrette. Mais vous pouvez la regarder dans le salon. C'est la première porte à droite. Il y a aussi des journaux français et anglais. Bon, merci bien. On peut avoir notre clé ? Voici. Et vos bagages ? Ils sont dans la voiture. Le garçon, on va les chercher. L'hôtel reste ouvert toute la nuit ?
Oui, bien sûr, il y a un portier de nuit à partir de 23 heures. Vous sonnez quand vous rentrez. Merci bien. Est-ce que vous faites restaurant? Ah non, pas du tout. Mais il y a de très bons restaurants dans le quartier. Parfait. Tu viens, mon chéri? Les choses ne sont pas toujours aussi simples. Quelquefois, votre chambre n'a pas été réservée ou l'hôtel a fait une erreur de réservation. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. J'ai réservé une chambre. À quel nom? Pinault. Un instant, je vous prie. Tiens, je ne vois rien à ce nom. Vous avez dit Pinault? Oui. Vraiment non, je suis désolé. Je ne vois rien. Mais je vous ai envoyé une lettre d'Angleterre il y a 10 jours. Mmh. Ah, ça y est. Pinault, N-A-U-D, n'est-ce pas? C'est ça. Une chambre à un lit avec douche. Ah non, je regrette, mais cette chambre n'a pas de douche. Il y en a une à l'étage. Ah non, ça ne va pas. J'avais bien demandé une chambre avec douche. Je peux vous donner une autre chambre avec douche, mais elle a un grand lit. Elle coûte combien? 80 francs. Bon, c'est un peu plus cher, mais je vais la prendre. Voilà votre clé, c'est la chambre 125. Vous m'avez bien réservé la chambre pour 3 nuits. J'ai demandé pour les 15, 16 et 17. Un instant, je vais voir. Ah, c'est noté pour les 15 et 16 seulement. Départ le 17 au matin. Mais c'est que c'est très ennuyeux. Vous avez fait une erreur. J'ai demandé une chambre pour 3 nuits. Ah, ce n'est pas possible. Le 17, nous sommes complets. C'est incroyable. Alors qu'est-ce que je fais, moi, le soir au 17? Je dors dans la rue. Et en plus, je vous ai écrit une lettre. Un instant. Bon, ça va s'arranger. Je vais vous donner une autre chambre pour les 3 nuits. Quel numéro? 250, au deuxième étage. Avec douche et télévision. Bien, c'est le même prix, j'espère. Normalement, elle est plus chère, mais pour vous, je la fais au même prix. Le petit déjeuner est compris? Ah non, c'est 10 francs en plus, mais vous pouvez le prendre dans la chambre. Bien. Vous dînez à l'hôtel? Ah non, je suis là pour affaires et je suis invité tous les soirs. Bien. Une dernière question, vous avez un parking ou un garage? Oui, mais notre garage est plein. Mais si vous faites 500 mètres en direction de l'église, vous trouverez un parking. Il y a toujours de la place. Bien. Vous pouvez me réveiller demain matin à 7 heures? Certainement. Mais il faudra le demander au gardien de nuit, à votre retour. Bien. Le garçon va vous monter les valises. L'ascenseur est en panne. Quelquefois, la chambre ne vous plaît pas, alors vous en demandez une autre. Ou vous allez dans un autre hôtel. Bonjour, monsieur. Madame. Vous avez des chambres? Oui. Je voudrais une chambre pour une personne avec douche, s'il vous plaît. Pour combien de nuits? Oh, juste une nuit. Je suis de passage seulement. Un instant. Oui, j'ai encore une chambre. À combien? 100 francs. Petit déjeuner compris. C'est un peu trop cher. Vous n'avez rien de moins cher? Oui, mais c'est au 4e et il n'y a pas d'ascenseur. Ça ne fait rien, je le prends quand même. Chambre 407, voilà la clé. Merci. Oh, est-ce qu'on peut dîner à l'hôtel? Oui, bien sûr. La salle à manger est au rez-de-chaussée, au fond du couloir, à droite. Merci. Oh, vous avez des timbres? 1,80 francs? Non, c'est pour la Grande-Bretagne. Ah non, je regrette. Il faut aller au tabac, au coin de la rue. À quelle heure partez-vous demain matin? Vers 8 heures. Monsieur, excusez-moi, vous m'avez bien dit la chambre 407? Oui. D'abord, le lit n'est pas fait. Oh, excusez-moi, on va le faire tout de suite. Et la chambre n'est pas propre. Il n'y a pas de savon et il y a des cheveux dans le lavabo. C'est incroyable. Oh, je suis tout à fait désolé. Le client précédent vient de partir et nous n'avons pas eu le temps de faire la chambre. J'envoie une femme de chambre tout de suite. Ce sera prêt dans un quart d'heure. Oh, ce n'est pas la peine. De toute façon, la chambre est sur le boulevard et moi, j'ai besoin de dormir.
Mais la nuit, c'est plus calme. Oh non, sûr que c'est tout aussi bruyant. Vous n'avez vraiment rien d'autre? Non, pas pour le même prix. Eh bien, tant pis, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Mais madame, on va faire votre chambre. Non, je vais chercher un autre hôtel. Je vous remercie. Mais madame... Au revoir, monsieur. Vous êtes bien installé dans votre hôtel. Vous pouvez maintenant visiter Paris. Bonjour et bienvenue à Paris. Je suis votre guide. Je m'appelle Pascal et j'habite tout près d'ici. Et ce matin, nous allons visiter Paris ensemble. Alors allons-y. Dans le centre de Paris, de nombreux bâtiments historiques racontent le passé de la ville. Les larges rues plantées d'arbres s'appellent des boulevards. Et voilà la cathédrale, Notre-Dame de Paris. Construite au Moyen Âge, c'est l'église la plus célèbre de Paris. Les maçons, les charpentiers, les sculpteurs ont travaillé 200 ans pour la construire. Avec ses deux tours identiques, Notre-Dame de Paris est unique en France. Toute l'église est ornée de sculptures délicates, comme celles que vous voyez ici. Vous voyez que c'est une bâtisse énorme. C'est un très grand musée qui fait 8 km de galeries. C'est-à-dire que vous pouvez passer dans le Louvre beaucoup de temps, presque une semaine, à visiter toutes les œuvres d'art qui s'y trouvent. Le Louvre fut l'ancienne résidence de François Ier, le roi de la seconde dynastie française, la dynastie des Valois. François Ier était un grand amateur d'art. Il a acheté beaucoup de peintures, de sculptures, notamment lorsqu'il allait en Italie. Il a ramené d'Italie la fameuse Mona Lisa, qui est encore connue sous le nom de Joconde et qui se trouve au Louvre depuis le XVIe siècle, depuis que François Ier y habite. Tout naturellement, le Louvre est devenu un musée puisque François Ier a décidé d'ouvrir petit à petit les portes de son palais pour montrer ses œuvres d'art au public. Mais le Louvre est devenu un musée officiel seulement au XIXe siècle. De ce côté, il y a d'autres monuments, notamment l'Arc de Triomphe du Carrousel, qui est une réplique du Grand Arc de Triomphe se trouvant tout au bout de cette perspective et qui a été construit à la gloire de Napoléon Ier. Et voilà la très belle place de la Concorde, place royale tout d'abord sous Louis XV au XVIIIe siècle, puis place de la Révolution à l'époque de la Révolution en 1793, lorsque Louis XVI et Marie-Antoinette furent guillotinés devant le jardin des Tuileries, sur la place de la Concorde. C'est donc une place historique et une très belle place de Paris où l'on peut voir de larges perspectives. Il y a deux perspectives principales. Le jardin des Tuileries qui fait face à l'avenue des Champs-Élysées. Puis, de l'autre côté, se trouve l'Assemblée nationale faisant face à l'église de la Madeleine. Les Champs-Élysées, un nom célèbre dans le monde entier.
Ces Champs-Élysées désignent la grande avenue qui part de la place de la Concorde pour aller jusqu'à l'Arc de Triomphe et qui est divisée en deux parties. La partie jardin, très agréable, flanquée par des arbres, des espaces verts et également des restaurants très célèbres. Après cette partie jardin se trouve le rond-point qui sépare les Champs-Élysées en deux parties. Puis, au-delà du rond-point, se trouve la rue des Affaires. Nous sommes ici sur le sommet de l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, avec la Tour Eiffel, c'est incontestablement l'un des monuments les plus célèbres de Paris. L'Arc de Triomphe a été construit en 1805 et terminé en 1835. Il fut construit sous l'ordre de l'empereur Napoléon Ier, qui a nécessité un monument pour la gloire de son armée. Vous avez certainement entendu parler de l'armée napoléonienne, qui fut l'une des plus grandes armées françaises. L'Arc de Triomphe fait 50 mètres de haut sur 45 mètres de large. Il est donc dédié à cette grande armée, c'est pourquoi à l'intérieur de l'arc se trouvent les inscriptions de toutes les batailles, les victoires bien sûr, de Napoléon Ier et de sa grande armée. Sous l'Arc de Triomphe, il y a une tombe qui est très célèbre, c'est la tombe du soldat inconnu. Les cendres du soldat inconnu furent inhumées sous l'Arc de Triomphe après la Première Grande Guerre mondiale. L'Arc de Triomphe se trouve placé au centre de la place de l'Étoile. La place de l'Étoile, c'est une place également très célèbre à Paris, qui comprend 12 avenues. 12 avenues rayonnent de cet Arc de Triomphe. Et la place de l'Étoile, c'est également une place très spectaculaire pour la circulation. Les Parisiens n'aiment pas du tout cette place. Il est très difficile de rouler donc autour de l'Arc de Triomphe à cause du trafic venant de ces 12 avenues. L'Arc de Triomphe, donc, comme je vous le disais, est très célèbre dans le monde entier. Certainement parce que c'est le monument le plus caractéristique de l'époque napoléonienne. En ce qui concerne Napoléon, vous savez tous qu'il a été exilé sur l'île d'Elbe. C'est pourquoi il n'a jamais vu son Arc de Triomphe terminé. Il l'a fait commencer, mais il ne l'a jamais vu entièrement fini.